C'est un accompagnement, le Fonds social européen a vraiment incité à ce que ça s'adresse à un public très précis et c'est par rapport au profil de ce public que la qualité de l'accompagnement peut s'analyser. C'est qu'au niveau des 900 000 personnes qui ont été prises en charge dans le cadre du soutien du Fonds social européen, c'est vraiment des personnes qui montrent des caractéristiques d'éloignement et de difficultés sur le marché du travail plus fortes que la moyenne des demandeurs d'emploi. Donc, c'est-à-dire vraiment beaucoup moins qualifiées que la moyenne, sur une durée d'ancienneté au chômage plus importante, exposées aux minima sociaux, aux quartiers politiques de la ville, dans des situations, des publics d'origine étrangère. Donc vraiment, et des cumuls de ces différentes caractéristiques-là. Donc on n'est pas sur la globalité des demandeurs d'emploi, mais il faut bien se rendre compte que c'est un public qui est donc bien souvent depuis plus de 2 ans au chômage, qui est sur un niveau de formation de niveau 5, c'est-à-dire un CAP, un BEP, qui n'a pas travaillé depuis longtemps. Donc c'est ce public-là qui est pris en charge. Et l'accompagnement qui est proposé permet d'arriver à produire 40% de sorties positives, c'est-à-dire de retour à l'emploi, à l'activité ou à une formation qui conduit à l'emploi. Donc ce 40%, on peut se dire que c'est moins de la moitié, on peut dire que c'est mitigé, mais malgré tout, au regard du profil des personnes, encore une fois, qui étaient sans activité depuis plusieurs années, c'est un résultat qu'on peut considérer comme positif et qui est donc adapté au profil des personnes. Donc c'est un bilan relativement positif. Et ce qui est positif aussi, c'est que pour une fois, on peut vraiment évaluer et dire quels sont ces résultats. Malgré tout, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une partie des publics qui abandonnent en cours de parcours, et puis il y a effectivement 60% de personnes qui sont sur une sortie non positive. Donc ça invite vraiment à inventer d'autres réponses, d'autres solutions pour ces publics-là qui ne peuvent pas se contenter de cet accompagnement de parcours. Alors, c'est vrai que l'impression que ça donne, c'est qu'on est vraiment sur des mondes parallèles qui s'ignorent chacun. C'est-à-dire le monde de l'insertion, où il y a effectivement plusieurs acteurs qui eux-mêmes ne sont pas forcément beaucoup en relation, mais déjà un monde de l'insertion, le monde de la formation professionnelle, le monde des entreprises, des employeurs, des créateurs d'activités également à part. Donc, il y a au moins ces trois mondes-là qui sont pas assez en relation et qui chacun prenne des initiatives. C'est vrai que ce qui est d'autant plus dommageable, c'est qu'on est dans une période où chacun est volontaire pour agir sur le chômage de longue durée avec des incitations pour aller dans ce sens-là. Et le plan d'investissement dans les compétences, le PIC, est quelque chose qui fait vraiment converger beaucoup d'initiatives dans ce sens-là sur les acteurs de l'insertion, de l'inclusion, sur les acteurs de la formation et même les entreprises, les branches professionnelles qui sont invitées à travailler sur leurs besoins d'emploi, leurs besoins de compétences et d'arriver à repérer quels sont la main-d'œuvre, dont les chômeurs de longue durée, qui peut répondre à ces besoins-là. Donc, on a ces trois mondes-là qui veulent entreprendre et qui veulent travailler sur ce public, cette main-d'œuvre dont il y a besoin parmi les chômeurs de longue durée, les 2 700 000 chômeurs de longue durée en France. On peut dire que c'est un public dont on ne peut pas se passer, c'est indispensable à l'économie nationale. Mais même s'il y a toutes ces initiatives qui convergent vers cet objectif-là, force est de constater qu'ils se rencontrent peu. Et donc toute notre approche, toute la proposition qu'on a pu faire, c'est d'essayer de créer ces lieux de rencontre. Ça paraît assez basique dit comme ça, mais d'avoir des lieux de rencontre entre ces acteurs-là. Donc c'est quelque chose où il y a des traductions, il y a des existants. On a parlé tout à l'heure de la région des Pays de la Loire avec les comités locaux emploi-formation, les CLEFOP, qui permettent vraiment ces différents acteurs de se rencontrer. Et donc là, on a un exemple concret où chacun de ces trois mondes se reconnaît dans cet espace commun. Donc c'est quand même un très grand progrès, on voit que c'est possible. Donc ça, c'est le premier temps, un espace de rencontre commun. Et ce qu'on propose et qui nous paraît très intéressant, c'est de ne pas se limiter à une notion de partenariat, qui est une notion un petit peu molle et un peu galvaudée, mais d'évoluer vers une logique de consortium et de se dire que ces différents acteurs de la formation, de l'insertion et de l'entreprise arrivent à entrer dans des groupements opérationnels, c'est-à-dire chacun qui amène une contribution, peut-être des moyens humains, financiers ou quoi, et chacun qui en retire quelque chose aussi et s'y retrouve dans vraiment cette logique de consortium au sens propre, au sens appliqué. Donc c'est ça la proposition, un lieu de rencontre pour que la connaissance se fasse et puis un consortium pour que les interventions, les attentes et les apports de chacun puissent se retrouver dans une logique vraiment opérationnelle et pas dans une logique simplement de gentleman agreement, de chacun qui s'entend sur un accord qui ne serait pas traduit en termes d'offres de services.